Bonjour à tous et bienvenue sur CVMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice numéro 2 du brevet Nouvelle-Calédonie 2016. Voici l'énoncé. Dans un jeu vidéo, pour gagner des points d'expérience et faire évoluer son personnage, il faut participer à des combats. Chaque victoire rapporte un nombre de points fixes. Il en est de même pour chaque défaite. Gabriel a déjà accumulé 1350 points avec 21 victoires et 9 défaites. Son frère Nathaniel a obtenu 12 victoires pour 18 défaites et a totalisé 900 points. Combien de points gagne-t-on à ce jeu en cas de victoire? En cas de défaite, on écrira les calculs qui permettra de justifier les réponses. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Donc on va poser deux variables, soit x le nombre de points d'XP gagnés quand on gagne un combat, et y le nombre de points d'XP gagnés quand on perd un combat. Donc on va écrire les équations données ici. Donc là on a 21 victoires, donc 21 fois x plus 9y. Donc ici 21 fois x plus 9y, ça va être égal à 1350. Ici 12x plus 18, donc 12x plus 18y est égal à 900. Ici on remarque que tous les coefficients sont divisibles par 3. 21 c'est 7 fois 3, 9 c'est 3 fois 3, 1350 c'est 450 fois 3, 12 c'est 4 fois 3, 18 c'est 6 fois 3, et 900 c'est 300 fois 3. Donc on peut diviser par 3. On va pouvoir diviser par 3. Alors ici, ce symbole nous dit que ce système d'équations, donc ça c'est un système d'équations de deux équations à deux inconnues, ce symbole nous dit que les solutions des deux systèmes d'équations dans chaque côté de ce symbole ont la même solution. Donc ici, on va diviser par 3, donc diviser par 3, 7x plus 3y est égal à 450. Ici, 4x plus 6y est égal à 300. Donc ici, on va multiplier par 2 cette ligne-là. Donc on va faire 2L1. Ici, donc ça fait 14x plus 6y est égal à 900. 4x plus 6y est égal à 300. Ensuite, on va soustraire les deux lignes ici. L1, L2, pour retenir, donc L1 moins L2, L1, L2, pour obtenir donc l'équation suivante, deux petits points. Donc ici les 6y vont disparaître, 14x moins 4x, 14x moins 4x est égal à 900 moins 300, 900 moins 300. Donc ici on a 10x est égal à 600. X est égal à 60. Donc ça, on a x est égal à 60. On a x est égal à 60. Donc, on va remplacer x dans la deuxième ligne, par exemple. Donc, 4 fois 60 plus 6y est égal à 300. Donc, on va avoir y. Donc, 6y égale à 300 moins 240. C'est égal à 60. Donc, 6y est égal à 60. Y égale à 10. Conclusion. Donc conclusion, un combat remporté apporte 60 points d'XP supplémentaires et un combat perdu apporte 10 points d'XP supplémentaires. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.